Ah, c'est une des plus belles courses de l'année, dans un cadre vraiment atypique au milieu d'une station de ski, donc on est dans la vraie définition de la course de côte à mon sens. C'est un des plus longs du championnat, il fait 4,8 km, donc on est sur un des tracés les plus exigeants. 4,8 km avec l'altitude, c'est vraiment très éprouvant, donc il faut avoir une bonne condition physique et ça demande beaucoup de travail en amont, ça demande beaucoup de mental, il faut rester concentré du début à la fin, donc c'est un vrai travail. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où on peut faire la différence. L'enchaînement des épingles est vraiment particulièrement compliqué et il va falloir se concentrer à toujours bien pousser pour la sortie et gagner des kilomètres-heure jusqu'au bout de la ligne droite. Donc c'est toujours une technique à avoir, il ne va pas falloir se laisser aller trop tôt dans l'épingle, donc c'est pas simple. Et puis sur le haut, on a beaucoup de rapides où il ne va pas falloir casser l'élan, le rythme et garder beaucoup de vitesse. Donc c'est aussi un endroit où on peut gagner beaucoup de temps comme on perd beaucoup. Donc c'est vraiment un tracé qui donne pas droit à l'erreur et sur lequel il faut vraiment être efficace du début à la fin, quoi.